pas acclamer le Seigneur encore? Ça marche? Super. C'est tout? Après ce qu'il a fait pour toi, il t'a sauvé, t'a rempli du Saint-Esprit. Il a détruit les puissances des ténèbres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il est magnifique. Oula, ça résonne. Ah bon, c'est bien? C'est juste, c'est mon sonotone peut-être. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple en feu à la Valette pour Jésus ce matin? Amen. Tu es enflammé pour Jésus-Christ? Dis à ton voisin, il faut que tu sois enflammé pour Jésus ce matin. Amen. Bouge-le, secoue-le, peut-être réveille-le, je ne sais pas, j'espère pas. Mais qu'il y ait la grâce de Dieu sur chacune de nos vies ce matin. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu des braises, ce n'est pas le Dieu de la cendre, mais c'est le Dieu du feu. Amen. Alléluia. Et ce matin, je veux prêcher sur le feu, je veux parler du feu ce matin. Sois enflammé pour Jésus-Christ. Amen. Il faut être enflammé pour être efficace. Amen. Reinhard Bonnke dit ceci, le Saint-Esprit, il disait, le pauvre, parce qu'il est décédé maintenant, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec des chrétiens amiantes. Mais il peut tout faire avec des chrétiens qui sont en feu. Amen. Il peut tout faire avec cela. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous, ceux que je ne connais pas, tellement de visages nouveaux, et ça c'est la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux de voir comment Dieu a béni votre Église, hein, à cause du ministère de votre pasteur et par la puissance du Saint-Esprit, c'est incroyable. Voilà, pour ceux que j'ai déjà vus, vous n'avez pas changé. Hein? Ou alors j'ai... Ah, si, non. Merci Christophe pour l'invitation, en tout cas. Hein. Alors, voilà, on rajeunit comme l'aigle, même s'il manque un peu de plume, mais ça, c'est pas grave. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sois inflammable ». Sois inflammable. Parce que quand tu es en feu, tu es rempli d'assurance. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que son Église soit une Église enflammée, une Église en feu. Dans l'Apocalypse, Jésus va nous ouvrir son cœur et on voit toute la tristesse qu'il a, combien il est, comment dire, vraiment attristé de voir que quand il va dire à l'Église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. C'est pas vraiment un cri de reproche, c'est vraiment un cri de tristesse, une constatation qu'il est en train de faire. Et peut-être les habitudes et la routine ont remplacé la passion et le feu. Mais plaise à Dieu que ça change. Alléluia. Et que la passion et le feu viennent dans nos cœurs. Vous savez, Christophe l'a dit, depuis un an, on est à la retraite administrative. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Et on n'arrête pas de faire des missions à droite, à gauche, en France, à l'étranger. C'est quelque chose de merveilleux d'être déchargé, finalement, du poids administratif, parce qu'à Saint-Étienne, quand on était parti, on était 500, maintenant ils sont 600, il y a trois cultes. Mais être déchargé des problèmes administratifs, des visites et des choses comme ça, ça te permet d'être beaucoup plus consacré à l'œuvre de Dieu pour faire des tas d'autres choses. Amen. Il va dire à peu près la même chose aussi Jésus, à quelque part, à la Odyssée, je paraphrase, il va dire « Tu n'es plus bouillant ». Et c'est terrible, c'est comme s'il disait tu n'es plus en feu, tu n'es plus en feu ». Et un jour, si ça m'arrivait, j'aimerais que Jésus puisse me le dire comme ça. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse me le dire, au travers d'une prédication, en lisant la Bible, je ne sais pas, au travers d'une prophétie, mais qu'il me le dise. Tu n'es plus en feu, tu n'es plus bouillant, parce que c'est la seule chose qui soit capable de me remettre en question. Et je crois que le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de pouvoir se remettre en question. Vous voyez, ne pas vivre simplement d'habitude, de routine. Un frère, il n'y a pas si longtemps, me disait... qu'il était comme en roue libre, parce que bientôt c'était la retraite. Je suis en fin de course. En fin de course? Moi, je ne veux pas entendre ces mots-là. Non, on continue la course au contraire. Alléluia. Et si tu as perdu le feu, je prie pour que Dieu te dérange ce matin. Vraiment que Dieu te dérange et qu'il te mette un feu nouveau dans ton cœur et dans ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer à cette situation, à cet état, c'est quelque chose de terrible. Tu vas vivre d'habitude, de routine. Tu seras un spectateur dans l'Église, tu ne seras pas vraiment un acteur. Ton service sera tiède, ton témoignage sera tiède, tes actions seront tièdes, ta vie de prière sera tiède. Mais ça, c'est ce que déteste Jésus. Lui-même le dira. Je te vomis de ma bouche, mais elle est horrible cette expression. Et Jésus, voilà, il déteste ce genre de choses-là et béni soit Dieu pour sa parole qui est tellement puissante. Et je ne sais pas combien de fois le Seigneur m'a rattrapé, m'a relevé, moi-même qui suis en train de vous prêcher, quand j'étais dans des périodes où j'avais baissé, il m'a remis le feu, alléluia, parce que quand il souffle sur la braise, waouh, le feu, il reprend. Amen.
Et c'est ce qu'il veut. Lévitique, chapitre 6, verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Continuellement. Ça ne devait jamais s'arrêter. Jour et nuit, le feu. Et constamment aller chercher du bois pour alimenter le feu. Et quand tu es en feu, tu entreprends. Quand tu es en feu, tu oses. Quand tu es en feu, il n'y a rien qui t'arrête pour parler de Jésus, pour témoigner. Combien de gens s'arrêtent ? Oh, je ne sais pas si ça va marcher là, et comment ils vont le prendre et comment ils vont le dire. Mais quand tu es en feu, tu ne regardes plus à toutes ces choses-là. Le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Et c'est ça qu'on doit être. C'est vraiment important. Il y a quelque temps de ça, c'était à Saint-Étienne. Et il faut oser. C'est une réunion de prière. Et j'ai à cœur de prier pour tous les gens qui ressentent des angoisses, qui ne sont pas bien dans leur cœur, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ont des cauchemars, tout ça. Et je fais un appel. Et à l'appel, il y a plusieurs qui viennent. Et notamment, il y a une dame qui vient, une jeune dame qui vient. Elle a un voile noir sur la tête. Et c'est comme si le Seigneur me dit, il y a un démon là, il y a un démon. Alors les anciens sont venus pour prier. Moi, j'ai fait un petit court-circuit pour aller plus vite, pour aller prier pour cette femme. Et alors que je suis en train de prier pour elle, rien ne se passe. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça ne réagit pas? D'habitude, ça marche. Ai-je perdu mon pouvoir? Et le Seigneur me dit, comme ça, le voile. Alors j'ai pris le voile, je l'ai arraché. Les chrétiens disent, il est fou. Et là, elle s'est manifestée, le démon s'est manifesté. Et vous voyez, après, quand j'ai parlé avec elle, en fait, ce qui s'était produit, elle me disait, mais c'est un imam qui m'a donné ce voile. Il a fait des prières spéciales sur ce voile quand il me l'a donné. Lorsqu'elle avait le voile sur elle, elle n'arrivait pas à capter l'évangile. Elle n'arrivait pas à comprendre la parole de Dieu. Ce qui se faisait, ça bloquait même les prières qu'on est en train de faire sur elle. Mais quand le voile a été ôté, waouh, le Saint-Esprit a pu agir et cette femme a pu être délivrée. C'est quelque chose de merveilleux de voir cela. Et donc, il faut oser. Il faut oser. Si tu ne réagis pas à ce que Dieu te dit de faire à un instant T, eh ben, tu vas rater quelque chose. Il faut oser. Je pense que c'est tellement important de pouvoir le faire. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une petite jeune fille qui était comme ça en classe et puis son professeur est en train de parler sur les mammifères marins, etc. Et, tout. Et puis, il commence à prendre l'exemple. Un professeur athée, hein, il commence à prendre l'exemple de Jonas et du grand poisson. Il dit, mais ça, c'est un mythe. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Une baleine ne peut pas avaler un homme. Et elle a des fanons, c'est tout à fait impossible. Mais la Bible ne dit pas que c'était une baleine. C'était un grand poisson, comme un cachalot pourrait le faire. Et la petite fille qui était chrétienne, elle a osé. Vous voyez, quand on est plein de feu, elle a osé, elle s'est levée, elle a dit, mais monsieur, moi, je crois que c'est la vérité. Et quand j'irai au ciel, je demanderai à Jonas si c'était vrai. Et lui, il a voulu faire le malin. Il dit, mais et s'il est en enfer? Alors, elle lui a dit, c'est vous qui lui demanderez. Amen. Je crois qu'il faut oser. Alléluia. Le plus important, c'est de oser, de faire les choses. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Je ne vais jamais l'arrêter. La Bible nous parle de plusieurs feux qui existent dans la Bible. Je crois qu'il y a près de 17 mots pour dire le feu. Mais quand il parle du feu, le feu surnaturel, le feu qui était dans le buisson ardent, le feu qui s'est manifesté sur l'autel, c'est Esh, un feu gigantesque, un feu surnaturel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail, mais dans le livre des Chroniques, dans le livre de Chroniques, je crois, il est écrit la dimension de l'autel. Et c'est des détails importants. 12 mètres sur 12. 12 mètres sur 12. 144 mètres carrés. Un beau barbecue. Hein. Vous imaginez comment ça devait flamber? Vous imaginez l'intensité qu'il devait y avoir? Le feu tellement immense. L'historien Flavius Joseph dit que l'odeur des sacrifices se sentait jusqu'à Jéricho avec le vent qui portait tellement il y avait de sacrifices qui étaient mis dessus. Et c'est ce feu-là que le Seigneur veut qu'on ait, pas des petites flammes, vous voyez, mais des flammes immenses, quelque chose de merveilleux, et c'est ça qu'il veut dans nos vies, et qui ne doit jamais, jamais, jamais s'éteindre. Il dit jamais, jamais, jamais. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Bon, gloire à Dieu. Sinon, prenez des cafés à l'entrée, c'est bien, ça stimule pour la prédication, c'est super. Voilà. Si le feu s'éteint, il ne doit jamais s'éteindre, parce que si s'éteint, tu es comme Samson quand il n'avait plus les cheveux. Il n'avait plus de force. Il n'y a pas si longtemps, à Pézenas, j'ai prêché un message comme ça. Les gens rigolaient. Où sont passés tes cheveux? C'était le titre du message. Où sont passés tes cheveux? Parce que quand tu perds comme Samson les cheveux, tu es comme le sel qui perd sa saveur. Tu es comme une épée dans le fourreau, comme une flèche dans le carquois, vous voyez? Mais ce qui est important, eh bien, c'est d'avoir toujours ce feu. Alléluia.
qui fait bouillonner ton cœur, qui fait jaillir ta louange, qui te pousse sans cesse à parler de lui, à prier, à lire sa parole. Sans le feu, on ne peut rien. Je crois qu'il n'y a que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit qui peut changer ce monde. Sans ce feu, c'est difficile d'avoir vraiment des résultats. Parce qu'il nous a appelés à être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et donc, je suis appelé à garder ce feu, à l'entretenir, alléluia, à l'alimenter, à augmenter même ce feu, hein, qu'il soit de plus en plus bouillant. Moi, c'est ce que je demande au Seigneur. Je veux vivre encore plus de choses que je n'ai jamais vécues. J'ai vécu de belles expériences avec le Seigneur, mais ce que je veux, c'est en vivre d'autres. Pas forcément les mêmes, des nouvelles. Et la Bible nous parle de tout ce que fait le Saint-Esprit. Des révélations, des visions, des songes. Il n'y a pas de limite, ne mettez jamais de limite à ce que le Saint-Esprit peut faire dans vos vies. Si je vous racontais des expériences que Dieu m'a fait vivre, de suite on m'hospitalise en psychiatrie, vous voyez. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et il faut le feu. Un jour, il y a un pasteur qui était un petit peu jaloux, qui a demandé à Reinhard Bunke aussi, c'est un homme dont j'aime lire les biographies parce qu'il était vraiment en feu. Et cet homme-là, il était un peu jaloux, il a demandé à Reinhard Bunke, mais comment ça se fait que tu vis, toi, tant de délivrances, tant de miracles, etc. Alors, Reinhard, il a réfléchi un petit peu, mais il est toujours très réactif. Il y a une pensée qui lui est venue tout d'un coup, il a dit, mais écoute, s'il y a une gazinière avec deux feux simplement, mais qu'il y a un feu qui ne marche pas, sur quelle casserole tu mets, sur quelle plaque tu le mets? Sur celle qui est en feu, non? C'est ça. Bon, l'autre, je ne sais pas s'il a apprécié, mais... Peut-être ça n'a pas dû lui plaire, mais c'est ça, quand tu es en feu, tu peux tout, et c'est ça le secret. Il n'aurait rien pu lui transmettre d'autre que ça, tu as besoin du feu. Amen. Spirituellement, c'est exactement pareil. Le Saint-Esprit, le regard de Dieu, le regard du Saint-Esprit ne se pose que sur les autels qui sont en feu. Amen. Que sur les vies qui sont enflammées. S'il voit un cœur qui n'est pas en feu pour lui, alors dans son amour, il va venir pour souffler. Plaise à Dieu qu'il le fasse encore ce matin. Et moi, je prie, Seigneur, souffle encore. Souffle encore. Je veux voir, vivre, expérimenter des tas de choses. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'apporter la bouteille, s'il te plaît? Depuis quelques jours, on est malade, on prend des médocs. Et ça assèche complètement la voix. Ah, délicieuse cette vodka, c'est... Il faut le feu. Écoutez, j'ai été invité il y a quelque temps dans un camp familial. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et lors de ce camp, j'étais étonné de voir, il y avait des Mennonites, il y avait des gens de l'Armée du Salut, il y avait des protestants, il y avait des baptistes, beaucoup de gens qu'on appelle des cessationnistes parce qu'ils ne croient pas à la continuité des dons spirituels. Ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, ils ne croient pas à toutes ces choses-là, vous voyez. Et alors donc j'étais un petit peu embêté parce que j'ai commencé à faire des réunions un peu bouillantes pour transmettre le feu. Ça bougeait pas, ça applaudit pas. À l'église de Saint-Étienne, alléluia, amen, prêche pasteur, envoie la sauce. Bon, ici rien. Waouh, je dis oh c'est quoi, c'est mort ça, c'est vraiment il y a pas trop de feu quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait j'avais eu un problème 2-3 jours avant. J'avais un problème au ménisque interne qui était sorti. Douleur, c'est horrible. Hein. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je suis venu comme avec une canne en boitant, c'était horrible. Et je suis arrivé, ils m'ont vu prêcher comme ça et tout ça. Et un des soirs, le feu n'arrivait pas à rentrer. Un des pasteurs qui était avec moi, Christian Lévy, il me dit, écoute, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse l'onction d'huile. Tu veux qu'on fasse l'onction d'huile? Ah, je vais faire un appel. Je lui dis, mais tu sais, il ne croit pas trop. Bon, on fait un appel. Il y a beaucoup de gens qui viennent et on fait l'onction d'huile. Et j'ai dit, écoute, prie pour moi parce que j'ai ce problème-là. C'est vraiment handicapant. Alors, il me fait l'onction d'huile. Et le lendemain matin, je me lève. Waouh. J'ai dit, il ne faut pas changer d'huile. Hein. Celle-là, elle est nickel. Voilà. Et je suis arrivé en avance. Personne finalement, n'a vu ça. Et donc, j'étais assis, et puis quand c'est le moment de prêcher, après le moment de louange et tout ça, je prends le micro, j'ai dit, est-ce que vous croyez que Jésus est encore capable de guérir aujourd'hui, qu'il fait des miracles? Alors, les cessationnistes, bon, ça n'a pas trop répondu, et je commence à courir comme un fou dans l'allée. Il est vivant, alléluia, il guérit encore aujourd'hui. Et là, ils se rendent compte que je suis complètement guéri. Amen. Et je dis, combien de personnes ont été guéries hier à l'onction d'huile? 25 personnes qui lèvent la main. J'ai dit, voilà, c'est un Dieu vivant. Et le Saint-Esprit a commencé à descendre. C'était... Alors, l'après-midi, il y avait eu du baltrap. Ça faisait un bruit incroyable, parce que ça résonne dans ces collines là-bas. Mais le soir, ça faisait encore plus de bruit, tellement les gens criaient, louaient.
gens baptisés du Saint-Esprit, des gens qui pleuraient, qui étaient en larmes, tout le monde après qui me demandait comment on fait pour être baptisé dans le Saint-Esprit, ceux qui ne l'avaient pas été. Vous voyez, l'Église n'est pas un cimetière. Amen. Il y a besoin d'avoir la vie. Et ces gens-là, ils sont repartis avec une vie qui leur manquait. Alors, je me souviens, le prédicateur, celui qui gérait le camp, me dit, après le premier soir, il m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être apporter sur la parole, ils ont tellement soif de la parole. Mais juste avant moi, un frère était venu, il a fait toute une étude sur les psaumes. Certainement très bien, rien à dire, parfait. Mais j'ai dit, moi, j'ai pas reçu ça. J'ai pas reçu ça. Et ils ont été suffisamment gavés, ils ont peut-être besoin d'autre chose. En tout cas, je peux pas partir de ma ligne de conduite. Et heureusement, parce qu'à la fin, c'était le feu. C'était le feu. Parce que la parole, c'est formidable, mais si elle n'est pas accompagnée de l'esprit. C'est ça, il faut la colombe de l'esprit, il faut le feu, il faut l'eau de la parole, c'est toujours important. Amen. Et il fait des choses magnifiques, le Seigneur, et il continue de le faire. Et moi, je veux croire qu'en cette matinée et dans les jours qui vont venir, si nos cœurs sont ouverts, si je me lâche, parce que le problème, c'est d'avoir de la retenue. C'est pour ça, souvent, je dis aux gens, si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Qu'on n'ait pas de réserve, voyez. Il y a des gens, ils n'osent pas pleurer, ou il ne faut pas qu'on les voit avoir une attitude. Non, laisse-toi aller. Sinon, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Il faut qu'il se manifeste. Il veut remettre notre vie en feu. Alléluia. Rien ne peut se faire, je le répète, sans le feu. Et le feu, il enlève la retenue, il enlève le contrôle. Combien de fois on contrôle, vous savez ? Il y a des pasteurs, mais ils contrôlent tellement, même dans leur assemblée, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Dieu est un Dieu d'ordre, frère. Oui, mais il ne se passe plus rien dans ton église. Il faut qu'il y ait du feu. Amen. C'est ça qui est vraiment important, de le faire et le laisser agir. Alors, je voudrais te parler quelques instants de Jacob. Et je voudrais lire un texte dans la Genèse, chapitre 45, le verset 21. Voilà, on va lire quelques versets. « Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. » Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin ». Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Et ils lui dirent « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte ». Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites, et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël, notez-le, et Israël dit « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Amen. Jacob n'était plus Jacob, il était plutôt n'était plus Israël, il était redevenu Jacob. Et cet homme qui avait tellement de relations avec Dieu, qui recevait des révélations puissantes de Dieu, qui avait vécu des choses et des expériences extraordinaires, il n'avait plus cette relation puissante avec lui. Peut-être depuis 27 ans. Vous imaginez ? 27 ans, il croyait que son fils était mort et ça l'avait tué. Ça l'avait assassiné. Il n'avait plus le feu. Et quand il est dit qu'il était froid en hébreu, puv, P-U-W, ça veut dire engourdi, faible, sans force. Parce que la douleur de ce qui était arrivé à son fils, on n'avait même pas retrouvé le cadavre, et pour cause, il était toujours vivant, mais c'est ses frères qui ont fait passer, qui l'ont vendu comme un esclave et qui ont trempé ses vêtements dans du sang d'un animal et qui ont donné à son père, voilà, certainement un animal l'a tué. Et depuis ce jour-là, eh bien, Israël était redevenu Jacob, un homme sans une relation véritablement avec Dieu, parce que le diable, il veut toujours tout faire pour nous enlever le feu que nous avons. Il veut toujours tout faire pour nous enlever la relation que nous avions avec Dieu. Souviens-toi de ce que tu étais auparavant, déjà au travers des photos. Moi, quand je vois des photos d'un album, des fois, tu as envie de refermer, parce que tu dis, c'est pas possible, c'est pas moi, hein. Vous riez, mais bon, je sais que vous acquiescez. Voilà. Mais spirituellement, c'est pareil. Quand on met les photos spirituelles, de notre vie spirituelle, comment j'étais au début de ma conversion, le feu qui était en moi, hein, je me souviens, on a prié pour toi, pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit avec Georges Toa, c'était le moment, nous, j'en parlerai pas. Mais vraiment, c'était très fort, très, très, très fort. Voilà, alléluia. Et aucune douleur ne doit venir éteindre le feu que nous avons. Aucun problème ne devrait pouvoir enlever, eh bien, l'intimité que j'ai avec le Seigneur. Rien ne devrait nous arrêter.
Même Paul dira aux Galates, qui vous a arrêté ? Une traduction dit, qui vous a ensorcelé ? Parce que ça les avait bloqués, voyez-vous ? Et une fausse doctrine, etc. Parfois nous faire douter, parfois nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous, parce que Dieu a une destinée pour toi. J'ai pour toi un avenir de l'espérance. Et à partir du moment, le diable a une destinée pour toi, mais Dieu en a une destinée pour toi aussi. Nous, on veut avoir notre propre destinée, mais il faut suivre celle que Dieu veut nous donner. Et celle-là, elle est merveilleuse. Alléluia. Et ce matin, et c'est ce que j'ai reçu sur mon cœur, c'est que Dieu voudrait enlever tout ce qui a pu empêcher eh bien, la gloire de Dieu de descendre dans ta vie, ou tout ce qui peut-être a pu l'arrêter à un instant T, ce qui empêche la, ce que j'appellerais la vie intense, parce qu'on doit garder la vie intense. Alléluia. Et il veut enlever tous les liens, toutes les chaînes, tous les obstacles, afin que tu sois libre, que tu retrouves la paix, c'est tellement important, la foi, la joie, ce feu intense, ce feu hèche, le feu de l'autel, ce feu surnaturel pour qu'il descende sur ta vie, parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Amen. C'est pas le Dieu du naturel, il est le Dieu du surnaturel, parce que si tu vis dans le naturel, tu auras des résultats surnaturels, mais... Tu auras des résultats naturels, mais si tu vis dans le surnaturel, tu auras... Heureusement qu'elle est là. Si tu vis, c'est mon disque dur. Si tu vis dans le surnaturel, tu auras des résultats surnaturels. Alléluia. Si tu sers dans le naturel, eh bien, tu auras un service naturel et inversement. Et c'est ça qui est important. Vous êtes toujours avec moi, là, encore ? Balance ta main si tu es toujours là. Comme ça, je vois si quelqu'un dort. Bon, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher ce feu d'être alimenté ? Qu'est-ce qui peut faire que la gloire de Dieu ne descende plus sur mon cœur, sur ma vie ? Qu'est-ce qui empêche que ces choses-là ne se manifestent ? Quelquefois, c'est le compromis. Vivre dans le compromis. On peut aimer Dieu et être déchiré encore un peu dans le monde, comme disait Christophe, c'est ce qu'on était au début de notre conversion. C'était difficile avec la vie qu'on avait passée auparavant, voilà, un peu dans le monde, un peu avec Dieu. On aime vraiment Dieu, mais quand même, on se permet certaines choses qui ne sont pas bonnes, vous voyez ? Alors, peut-être c'est des pardons qui n'ont pas été accordés, c'est peut-être des vies qui ne sont pas vraiment en règle avec Dieu, mais laissez-moi vous raconter une histoire récente. Là, dans une église, un prédicateur avait été invité, c'est un pasteur prédicateur italien qui a une onction comme j'en ai rarement vu, une onction incroyable. Et donc, il a fait le culte, après le culte, il y avait une réunion de tous les responsables, chantres, musiciens, etc., tous les responsables de l'église. Et le but pour lui, c'était de les exhorter, ce qu'il a fait. Donc tout le monde était en cercle comme ça. Et lui, il a commencé à parler, à exhorter, etc. Et puis il était vraiment dans l'esprit. Et puis tout d'un coup, il y avait un jeune qui était là sur la route. Tout d'un coup, il se retourne et lui dit « Esprit de fornication, sors !» Pah ! Le jeune, il tombe par terre et commence à vomir. Un jeune de l'église qui est chantre, qui apporte la louange, qui apporte l'adoration. Là, il est un peu mis en lumière. Et bon, on a dû tout nettoyer, tout ça. Lui aussi. Et puis il est revenu, vous voyez. Mais ce jeune-là, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait des relations sexuelles, voilà, vraiment. Il n'était pas marié, tout ça, il était dans la pornographie, des tas de choses, ça, on ne le savait pas. Et des choses qu'il a confessées. Il a confessé, il a demandé pardon à Jésus, maintenant sa vie est en règle, il va se marier, tout est bien. Et il a pu reprendre son service. Parce que quelques instants plus tard, lorsqu'il est revenu, à un moment donné, le même homme de Dieu a dit, tu vois, maintenant que tu as été repenti, que tu abandonnes cette vie de péché, Dieu voit que c'est de la vérité, que ce n'est pas du pipeau et que tu vas recommencer. Il augmente, il met un contrat sur ta vie, il fait un contrat avec toi, ton onction va augmenter pendant les chants. Si vous voyez le gars, maintenant, quand il loue le Seigneur, c'est énorme, quoi. C'est quelque chose, il emmène toute l'assemblée vraiment dans la présence de Dieu parce qu'il y a une onction particulière qui est là et qui est sur sa vie. Et ça prouve tout l'amour de Dieu, c'est pas la condamnation, c'est l'amour de Dieu, mais ça, il fallait que ça soit manifesté parce que ça pouvait pas rester, vous comprenez ? Sinon, il n'aurait jamais été guéri. C'est important d'avoir vraiment la délivrance. Et vous voyez, il y a... C'est un fléau, la pornographie et ces choses-là. Garçon comme fille. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Jeune comme personne âgée. Jeune comme personne âgée. J'étais à Écho, à Clermont-Ferrand, 6000 jeunes réunis. Il y en a beaucoup qui étaient à Écho, là. Et il y a eu le 100% Saint-Esprit, vous vous souvenez ? Et on nous a demandé, Alice et moi, de venir au 100% Saint-Esprit pour prier pour tous les jeunes qui se manifesteraient. Et on a vu des choses incroyables. Tout de suite, après la louange, il a commencé un appel à les gens à venir sur le devant. On priait, pouf, baptisé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Des gens qui étaient délivrés. On entendait des cris de partout, des hurlements. Les gens ne comprenaient pas trop. Mais ça, c'est des gens qui ont subi des abus sexuels. Et souvent, ils tombent et ça hurlait. Mais ce n'est pas de la possession. Hein. C'est une douleur tellement intense
qu'elle remonte. Et ces gens-là hurlent et crient. Hein. J'ai même entendu des pasteurs qui disaient « Sors !» Je dis « Non, c'est pas un démon, ça c'est un excès de souffrance. » Parce que sinon, tu vas la culpabiliser encore plus, la personne. Et voilà, parce que le Saint-Esprit était capable de faire en quelques secondes ce qu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste va mettre des années à faire. Vous voyez ? Et c'était tellement important. Il y a beaucoup qui ont été guéris comme ça, d'autres qui étaient possédés. Mais pourquoi ? La pornographie très jeune, je t'assure, ça attire les démons. Alors, le juge tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Mais si ça commence à être des choses entretenues, croyez-moi, Dieu est d'une patience mais inouïe. Hein. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit se retire, hein, comme ça s'est passé pour Saül. Et puis alors, il peut se passer des choses, comme on a pu le voir, parce que des gens étaient surpris. Les pasteurs de certains jeunes étaient surpris, parce qu'ils ne l'avaient pas vu, ils ne l'avaient pas discerné, ça ne se sentait pas. La vie cachée, vous voyez, la vie cachée. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grosse onction dans nos vies et la présence du Saint-Esprit pour que ces choses puissent se manifester. Alléluia! Parce que ça va leur apporter une libération. Ce n'est pas un spectacle, hein, mais vraiment qu'il y ait de la guérison, c'est tellement important. La sainteté, ce n'est pas une option avec Dieu. Hein. Ce n'est pas une option. Alors, avant, vous savez, on était obligé d'aller à mon époque, en 1870, aller dans certains lieux, mais il faut parler cash, hein, aller dans des sex shops si tu voulais voir des films ou des trucs comme ça. Actuellement, les gens ont des portables et tu as un clic du péché, hein, et ça va vite. Hein. Alors, il faut faire attention à toutes ces choses-là, à nettoyer sa vie, à demander pardon à Dieu. Et puis, il y a ce que j'appellerais aussi, je vais essayer d'aller vite, le poids du passé. Ce passé qui a le pouvoir d'impacter ta vie présente et de pourrir ton futur et d'empêcher même la destinée que Dieu avait pour toi. Il handicape ton présent, ça détruit ton futur également. Certains passés. Ça t'empêche de saisir des grâces que Dieu voudrait t'accorder. Et c'est pour ça que le diable voudrait tout faire pour te maintenir dans une sorte de prison, la prison du passé. Et ça peut être un deuil qui n'a pas été fait. Tu n'as pas réussi à faire le deuil. Je me souviens d'une dame, j'étais allé chez elle en visite, toutes les fenêtres étaient fermées, il y avait la photo de son fils qui était décédé d'un accident, on peut comprendre la douleur, hein, c'est tout à fait normal pour une maman, mais plein de bougies qui étaient là, c'est comme un autel mortuaire, c'était comme quelque chose d'occulte, elle ne peut pas saisir la vie de Dieu, le Saint-Esprit est capable, même dans des situations très difficiles et douloureuses et dans le deuil, pas de te rendre joyeux, mais de ne pas sombrer, ok ? Il va te fortifier, c'est tellement important. Alors ça peut être le deuil, je disais, l'abandon, le rejet, une séparation, le divorce, et puis les abus subis dans ton enfance, des abus moraux, des coups, des insultes, hein, c'est verbal, ok, mais des fois ça fait mal, hein, le verbal. Les paroles négatives, plaisantes, tu n'y arriveras jamais, tu es un bon à rien. Moi, il y a un jeune que je connais, enfin, maintenant on est plus jeune, mais... Dans son enfance, c'était tout le temps ça. On était amis, j'allais chez lui, on n'entendait que ça. Ses parents le méprisaient totalement. Et maintenant, même dans les choses de Dieu, il n'arrive pas à saisir des choses de Dieu parce qu'il ne se sent toujours pas. Vous voyez, c'est comme une guérison qui n'a pas été accordée. Et ces gens arrivent toujours à se rabaisser, etc. Et puis, il y a les abus physiques, voilà, la maltraitance, des coups réguliers, c'est traumatisant, qui amène ces gens à toujours être dans la peur, dans la crainte, aussi rebelles des fois à toute forme d'autorité parce que l'image du père, vous voyez, ça a été dur pour eux. Et puis certainement, le plus terrible des abus sont les abus sexuels. Et il faut en parler. Ce n'est pas quelque chose de tabou. On est là pour en parler parce que je vous assure, avec Alice, on tourne dans beaucoup d'églises et j'ai été étonné de voir même dans les églises des fois des vingtaines de personnes qui viennent parce qu'ils ont subi des abus dans le passé qui les ont traumatisés, dont ils n'ont jamais eu de guérison, et ça a été quelque chose de terrible, parce qu'ils n'ont jamais osé en parler à leur pasteur. Un monsieur de 72 ans dans une église m'a confié, j'en ai jamais parlé même à mon pasteur, même ma femme ne le savait pas. Quelque part une honte, parce que le diable est tellement fort, il te fait passer pour un coupable alors que tu es une victime. C'est important de réaliser cela, vous voyez ? Et ça arrive à des garçons qui ont été abusés physiquement, comme à des filles, pas que des filles. Là, récemment, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une grande église à Toulouse. Mais c'est incroyable le nombre de cas, mais c'était invraisemblable. Et c'est fréquent à notre époque. Regardez les statistiques. Et des gens viennent dans nos églises, ils entendent l'amour de Jésus, ils se convertissent, ils se donnent à Dieu. Mais bien souvent, une chose n'a pas été réglée. Et ils n'arrivent pas à saisir des grâces de Dieu, vous voyez ? Et c'est quelque chose de terrible. Il faut que ça soit libéré. Amen. Et
quand les gens viennent à l'appel, quand ils osent parler, quand je me suis tu, mes os, ils se consumaient au-dedans de moi. C'est ça qu'il dira David. Mais quand Nathan vient le voir, il va finir, je suis cet homme-là, quoi. Je reconnais, j'ai fait ces choses. Là, c'est pas eux qui ont fait les choses, on leur a fait, mais ils les taisent. Et quelque part, c'est comme si on mettait un couvercle et ça bouillonne au-dedans. Ils n'arrivent pas. Parfois, ils essayent de prendre la victoire. Ils pensent avoir pris la victoire et puis pfiou, ça repart de plus belle. Vous voyez, c'est quelque chose d'invraisemblable. Alors, et des fois, les psychanalystes, même au bout de plusieurs années, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est une guérison spirituelle dont les gens ont besoin. Et ça, il n'y a que Saint-Esprit qui peut le faire pour effacer cette chose de leur vie. Ce n'est pas les médicaments qui vont pouvoir effacer. Parce que vous savez, les conséquences de ça, la suite, c'est que des gens, ils se rendent pas compte que même, parce que c'est des années et des années plus tard, ils tombent en dépression. Ils ont souvent problèmes, angoisses, etc., des choses qui reviennent parce que ça n'a pas été libéré. Écoutez, une jeune fille dans notre église, c'était malheureux, elles étaient plusieurs jeunes filles abusées par leur papa. La plus jeune, quand elle avait 3 ou 4 ans, mais elle n'avait jamais eu de souvenir parce que le cerveau a cette faculté de bloquer. C'est incroyable, hein ? Et tous les psychanalystes le disent. Et un jour, elle vient à l'imposition des mains, on prie pour elle, bah, elle tombe par terre, ça commence à crier, etc. Mais après, on a pu le voir et pour qu'elle nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, le Saint-Esprit m'a révélé tout d'un coup et m'a montré comme en vision ce que j'ai subi quand j'étais enfant, à l'âge de 3-4 ans. Vous voyez ? Et elle était malheureuse, elle dit, mais pourquoi il m'a fait ça ? J'avais jamais ça en pensée. Comment ça se fait que je viens à Jésus, maintenant il me montre ça ? Je dis, parce que tu n'es pas guérie. C'est au-dedans de toi, c'est au fond. Maintenant, elle est complètement guérie et épanouie dans l'église. Parce que quand ces choses se produisent, c'est bon après d'aller voir ton pasteur. Si tu as vécu des choses comme ça, ne les laisse pas au fond de ton cœur. Va voir tes pasteurs, va voir les anciens de l'église. Un pasteur, c'est comme une tombe, il ne va pas raconter ton histoire. Ok ? Et au moins, il va pouvoir t'amener à ce moment de délivrance spirituelle. Ce n'est pas les cachets qui vont le faire, mais c'est ça. Ne plus te taire et pouvoir le dire. Dans plusieurs églises où on est allé, même un monsieur, il a failli nous sauter dans les bras, 80 ans. Je suis libéré, mais jamais j'ai entendu une parole comme ça. Il n'y a pas plus simple. C'est le béaba. Mais si on ne le dénonce pas, vous savez, tu dénonces les puissances de ténèbres, ça se manifeste. On est allé avec Alice dans une prison en Côte d'Ivoire, là, lors d'un voyage missionnaire, et les démons se sont manifestés parce que c'est elle qui prêchait aux femmes. Ça s'est manifesté parce que tout de suite, les démons ne supportent pas la publication de l'évangile et la dénonciation des pouvoirs des ténèbres. Ok ? Donc c'est important de pouvoir dire les choses parce que si tu ne les dis pas, il n'y aura pas de guérison. Voyez ? Et c'est important. Et le Seigneur y guérit encore aujourd'hui. Voyez ? Et Jacob, il était dans cet état-là depuis 27 ans. 27 ans ! Vous imaginez, Jacob, il a été enlevé à 17 ans. Et puis, il est resté jusqu'à l'âge de... Hein ? Joseph, 17 ans. Et il a... Merci, mon disque dur. Je suis béni que tu sois là, vraiment. Il faut que tu viennes ici, quoi, en même temps. Clic ! Voilà. Et il a passé... Il est resté, comme Pharaon l'a vu, et il avait 30 ans. Puis l'histoire des 7 vaches grasses, maigres, etc., 27 ans, et Jacob ne savait toujours pas ces choses-là, vous voyez ? Mais quand il a vu les chars égyptiens qui étaient là, quand il a vu avec les Égyptiens qui étaient venus accompagner les chars, avec les serviteurs, quand il a appris que Joseph était vivant, quand il a eu vent de la place qu'occupait Joseph en Égypte, il s'est souvenu tout d'un coup des rêves que Joseph avait eus. Alléluia ! Et il s'est dit, mais alors, mon fils vit, c'est réel, il est vivant. Ses rêves, il prévoyait la gloire que Dieu allait lui donner, mais personne n'aurait imaginé que ça serait ça. Et il est écrit à ce moment-là, l'esprit de Jacob se ranima. Alléluia ! Il se ranima. Chaza, ça signifie sortir du découragement, revenir à la vie, guérir, être rafraîchi. C'est une résurrection spirituelle et plaise à Dieu. S'il y avait personne qui avait subi les abus, quels qu'ils soient, que ce soit moraux, physiques, etc., on bénit Dieu. Mais si c'était le cas, et que tu n'en as jamais parlé, et que tu en souffres encore, je crois que ce matin, Dieu veut te délivrer, il veut te guérir, il veut te bénir, comme la prophétie qui a été donnée. C'est le Dieu de la résurrection spirituelle. Et il veut que tu reprennes vie quelque part, et que ton esprit se ranime, comme ça a été le cas pour Jacob, qui tout d'un coup redevient Israël. Amen. Et aussitôt, notez bien, aussitôt, il va crier... C'est assez, j'irai.
En hébreu, ça veut dire « je reprendrai la marche ». Amen. Je reprendrai la marche. Je ne sais pas où ta marche s'est arrêtée pour une raison ou pour une autre, à cause du péché, à cause des choses qu'on a citées ou quoi que ce soit, à cause du deuil, la séparation, etc. Il y a des choses qui ont peut-être brisé et finalement tu viens dans l'église comme une routine. Bien sûr, tu aimes Jésus, bien sûr, tu donnes ta dîme, bien sûr, tu viens à toutes les réunions, mais il y a quelque chose qui fait obstacle. Il y a quelque chose qui ne te permet pas d'être, d'avoir cet épanouissement, cette explosion dans la vie spirituelle que Dieu veut pour toi. Amen. Ça veut dire aussi, je ne coulerai plus. Bizarre les mots, je ne coulerai plus. Mais c'est ça qu'il dit. Parce que là, il avait coulé spirituellement, il avait coulé. Mais là, il dit, c'est fini, c'est terminé, ma douleur, elle est finie. Voilà, ce passé douloureux, c'est fini. Plus jamais je n'en entendrai parler. Je ne vais pas laisser la douleur m'envahir, me submerger, essayer de me couler. Tu es ma foi, tu es mon feu, tu es mon zèle, ma fougue. Non, c'est fini, c'est terminé. Plus jamais je ne vais laisser le diable m'embêter avec ces choses et les faire revenir. Des fois, tu crois avoir triomphé et puis ça revient comme ça. L'esclavage du péché, il était brisé. L'esclavage du passé, il était brisé. Des fois, ces gens qui ont vécu ces abus ne pêchent pas eux-mêmes. Ils pêchent pas, ils aiment Dieu. Mais il y a cet esclavage, l'esclavage du passé douloureux. Et il recommence à offrir des sacrifices. Il recommence à avoir une nouvelle communion avec Dieu. Dieu lui parle tout à nouveau dans une vision. Jacob, parce que Jacob, maintenant, il est à nouveau réceptif. Il est à nouveau en mesure de recevoir les paroles que Dieu veut lui donner. Amen. 27 ans sans rien, ça vous fait rien ? David, c'était un an, pendant un an. Ma vigueur n'était que sécheresse, il n'allait plus à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire au tabernacle, parce qu'il n'y avait pas le temple. Le tabernacle, il avait ramené à Sion. Vous voyez, mais là, il est à nouveau réceptif. Il est sensible au Saint-Esprit, il retrouve toute son onction. Il va en Égypte, il va bénir Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre, il prend autorité, il bénit Pharaon. Amen. Et il va prophétiser sur les deux fils de Joseph d'une manière extrêmement précise. Et il va prophétiser sur les autres fils. Amen, avec une précision incroyable. Voilà comment Dieu guérit du passé. Et c'est incroyable de se dire comment 27 ans il a été dans cette situation et tout d'un coup, en un instant, en un clin d'œil, paf, c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de Dieu. Des fois, on croit que non, c'est pas possible, c'est inéluctable, tu vois. Et puis, il m'est arrivé ça. Il t'est arrivé ça, oui, mais nous, il est arrivé le Saint-Esprit. Saint-Esprit est venu sur la terre, Jésus est monté. Et il a dit, si je ne monte pas, je ne peux pas vous l'envoyer. Hein. Il est comme Jésus, il te rappellera les choses de Jésus, mais surtout, il va faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas de limite. Pourquoi on met des limites à l'œuvre de Dieu, que ça soit mental, physique ou spirituel? Tu ne peux pas mettre de limite à ce que Dieu fait. Quand il va dire à Pierre, Jésus, ben, tu vas dans l'eau, hein, tu jettes l'hameçon et tu sors le premier poisson qui sort, il y a un statère dans sa bouche. Mais ce n'est pas de la folie. Philippe, il est enlevé de Jérusalem jusqu'à Azot, 70 km. Économie de gasoil, incroyable. Téléporté, mais même pas Jésus l'a fait. Même pas Jésus n'a fait ça. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ferai des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Et la Bible, c'est le livre du surnaturel. Plus tu lis la Bible et tu plonges dans le surnaturel, et il faut la prendre, il faut la croire, il faut la manger, il faut la dévorer. Et croire que ce Jésus dont je te parle et la puissance du Saint-Esprit est capable de faire en cette matinée ce que pendant des années et des années, parce que ça c'est notre conscience qui nous le dit, c'est notre esprit, notre intelligence, mais il ne s'est rien passé, pasteur. Ça fait 25 ans que je suis comme ça. Eh bien oui, ben aujourd'hui ça peut changer. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Que ça soit une maladie, quelque chose de physique, organique, Dieu recrée même des organes. Il recrée des organes. On a vu des choses, mais incroyables. On était en Eswatini, le Swaziland, là. Un monsieur qui avait été brûlé sur tout son corps. Il ne pouvait même pas mettre une chemise. Et j'ai les photos des brûlures sur tout le corps, mais c'est abominable. Tu ne peux même pas le toucher tellement il souffre. On a prié pour lui au nom de Jésus. Aucune souffrance. Il met la chemise et tout. Dieu fait des choses incroyables. On a vécu des miracles au Sénégal, mais c'est incroyable. On était à Madagascar. On avait les médecins qui soignaient les malades, et quand ils sortaient, on avait une petite pièce où on priait pour ceux qui étaient sortis de chez les médecins. Et il y a eu plein de guérisons. Alors on s'est dit, demain on va faire différemment. On prie d'abord pour vous, et après si ça ne va pas, vous allez chez les médecins. Dieu est vivant, amen. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Combien de fois on connaît ses paroles et on ne les vit pas, ou on ne les possède pas? On a besoin. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, alléluia.
Et nous, en tant que petit Christ, eh bien, on doit faire la même chose. On doit détruire les œuvres du diable en dénonçant les choses. Quand tu dénonces ce qu'il fait, le mal qu'il fait aux gens, à travers tout ce qu'il leur fait subir, mais c'est ignoble. Et nous, on est venus pour délivrer de cela, hein, au travers de la parole, pour briser l'esclavage du péché, pour briser les liens, pour briser les addictions, le passé, pour te libérer, pour te renouveler entièrement, te donner un feu nouveau. Il vient à ton secours maintenant. Amen. Est-ce que tu peux le croire et le dire? Oui, Seigneur, tu viens à mon secours maintenant. Il vient avec passion poser sa main sur toi pour détruire ses œuvres du diable et te libérer. Et que toi aussi tu puisses crier, c'est assez, je vais me lever maintenant, je vais recommencer la marche, je vais reprendre la marche. Et tu vas être entre ses mains maintenant un instrument comme jamais tu n'as été, parce que justement l'obstacle a été ôté. Ce qui faisait obstacle entre la bénédiction que Dieu voulait te donner et ton passé, là ça va être ôté. Et on a besoin de changer, de rentrer dans une nouvelle saison. Amen, de rentrer dans une nouvelle dimension. Vous savez, il y a ce verset qui m'a interpellé il y a quelques jours quand on lit la parole. C'est pas merveilleux la parole de Dieu? Tu la lis 50 000 fois, tu relis le verset, quelque chose de nouveau. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi, voilà, des fleuves d'eau vive, on connaît ça, mais il y a un autre passage qui dit, celui qui croit en moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Alors il rentrera, on sait qu'on va rentrer dans le ciel quand on sera mort, on va rentrer avec Jésus, et puis on n'en sortira plus. Mais là, il dit, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. C'est ce que ça signifie là, dans le grec, pâturage, augmentation, croissance. Et je veux, je veux rentrer dans la présence de Dieu, je veux saisir ses promesses et je ressors avec la puissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont restés dans la chambre haute? Non. Ils ont pris dans la chambre haute, ils sont sortis, ils ont prêché l'évangile. S'ils n'avaient pas prêché l'évangile à ce moment-là, il n'y aurait pas eu 3000 conversions. Vous êtes d'accord avec ça? Il fallait rentrer et sortir. Moïse, quand il est monté sur la montagne, est-ce qu'il est resté sur la montagne? Non. Il entrera, il sortira, il entrera, il sortira. Ce n'est pas ce qu'on doit faire ce matin? J'étais dans mon passé malheureux, ça va pas, je saisis pas les promesses de Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu, je vais ressortir victorieux. Je suis rentré dans ce lieu malheureux, je vais ressortir victorieux. Avec la puissance du Saint-Esprit, avec la guérison de mon corps, avec la guérison de mon esprit, avec la guérison de mon âme. Alléluia! Et je veux croire en cela. Une nouvelle communion avec Dieu. Nouvelle saison, nouvelle dimension, nouvelle percée avec Jésus-Christ. J'ai dit, je peux pas rester comme ça. C'est pas possible de rester comme ça. Je peux pas rester dans le même état constamment. Je veux des choses nouvelles avec toi, Seigneur. Alléluia! Oh, déverse ton onction, Seigneur, sur les uns et sur les autres. On a tellement besoin de toi et de ta grâce. Je voudrais demander aux musiciens et peut-être de venir maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse, réaliser, Seigneur. Tu peux faire tellement de choses pour moi. Tu peux faire tellement de choses dans ma vie. Peut-être demander pardon, Seigneur, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, je t'ai limité dans tes actions. Je t'ai limité. Je n'ai pas réussi à croire que tu pouvais me guérir de ce problème, qu'il soit mental, psychique, un problème du passé, peut-être une maladie physique. Mais non, les médecins, ils m'ont dit que c'était comme ça, que je ne changerais pas. Est-ce que vous savez qu'à Saint-Étienne, ma femme est là, elle peut vous témoigner, 3 fois on m'a appelé en réanimation pour des gens qui allaient mourir. Je me souviens d'un homme, il était tombé, c'est un yiddish, adorateur du serpent. Sa femme a commencé à venir à l'église et à être touchée par l'Esprit de Dieu. Et elle a commencé à venir à l'église, aimer Dieu, prier Dieu. Lui, il ne voulait rien entendre. Il construisait sa maison, il est tombé du 3e étage sur la tête. Et on m'a dit, bon, va vite le voir, parce que c'est un pasteur de Vienne, je crois. Il m'a appelé, il m'a dit, il est, on l'a téléporté avec l'hélicoptère sur l'hôpital de Saint-Étienne. Va le voir en réanimation. Les médecins ont dit que c'était pratiquement fini. Je suis arrivé, et le chirurgien que je vois, là, le médecin qui est de la réanimation, il me dit, mais écoutez, ce monsieur, il est en arrêt cérébral, électroplat. Demain, normalement, on doit le débrancher. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour lui? Il m'a dit, si vous voulez. Et il est parti comme ça, méprisant. Je suis rentré, je l'ai regardé. Il y avait enlevé tous les os du crâne. Et il y avait la peau qui était sur le cerveau. C'est incroyable, tellement l'hémorragie avait été énorme. Plein de tuyaux, il était bleu, noir, de partout. Et je lui ai dit, il s'appelle, je me rappelle de son nom, Mahmoudov Tital. Il est venu en moi quelque chose, et c'est ce qui arrive de temps en temps, l'esprit qui descend sur toi. Et je lui ai cité, j'ai ouvert la Bible et je lui ai lu, on dit que les gens qui sont dans le coma, ils entendent. Je lui ai lu des passages de résurrection, la résurrection de Lazare, des choses comme cela. Et j'ai dit, Mahmoudov, tu vas témoigner de ce que Jésus aura fait dans ta vie,
parce qu'il va te ressusciter. J'ai imposé les mains au nom de Jésus, waouh, et je suis parti. Quelques jours plus tard, on m'appelle et on me dit, il est en chambre. Sa femme, il est en chambre. Je suis retourné à l'hôpital, je tombe sur le même chirurgien. Il me dit, oh, il est là-bas. Je rentre dans la chambre, dès que je rentre dans la chambre, il ne m'avait pas vu puisqu'il était dans le coma. Waouh, il se relève comme ça avec son espèce de... Bon, il avait mis un masque en cuir avant de lui mettre des trucs en plastique qui va remplacer les os. Il me dit, je crois dans ce Jésus qui est vivant, qui m'a ressuscité. Je témoignerai de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et sa femme qui était au pied du lit, elle a été remplie du Saint-Esprit, baptisée dans le Saint-Esprit. Amen. Jésus, est-ce qu'il ne fait pas des choses extraordinaires? Mais si je me fie à ce que mes oreilles entendent, à ce que mes yeux voient, je voyais le gars, je voyais son état, j'entendais ce que le médecin m'avait dit, mais ne te confie pas à tes sens. Ne te confie pas à ce que t'a dit ton médecin, ton psychiatre, ta psychanalyse. Ce sont des médecins, il y a des choses vraies, mais il y a aussi la puissance de Dieu. Et je ne veux pas baisser les bras. Est-ce que tu crois que ce matin, Dieu est le Dieu de la solution? Qu'il a une solution pour toi? Qu'il veut faire quelque chose pour toi? Il faut que la foi naisse, que le feu naisse, qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que sinon, on dort comme ça, assis, et on va prier le Seigneur. Alléluia! Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, maintenant dans ta présence. Je te prie de toucher les vies. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Seigneur, je veux lier toute puissance de ténèbres qui veut s'opposer à la foi, qui veut continuer à rendre les gens captifs de leurs pensées et de leurs choses comme ça. Seigneur, enlève tout obstacle à ton plan par rapport à ce que tu fais ce matin. Brûle le péché, Seigneur. Oh, enlève les pensées négatives, Seigneur, mon Dieu. Tous ces obstacles du passé, tu veux les balayer ce matin. Tu vas faire quelque chose. Oh, que le feu reprenne. Je veux libérer une onction ce matin pour que tu saisisses ces choses-là dans ton cœur et dans ta vie. Je brise l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les vies soient libres maintenant. Toute personne qui serait liée par une puissance mauvaise maintenant puisse être déliée complètement par la puissance de Jésus-Christ. Je brise tous les liens de péché, la pornographie, tout esprit de fornication, tout esprit d'impureté est lié maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant. Tout esprit d'inconduite, tout esprit mauvais, quitte maintenant les corps et les vies, les esprits de haine, les esprits qui poussent au manque de pardon, la douleur, les douleurs morales, la haine, la rancune, les critiques, les jalousies. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Oh, laisse Jésus te toucher ce matin. Laisse Jésus te toucher ce matin. Ne résiste pas à l'onction et à la présence du Saint-Esprit. Laisse-le venir sur ta vie. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Mais laisse le Saint-Esprit.